Oh, les gars, on attaque les céréales ou pas? Là, ça va être chaud, sa mère. Ou les fruits, on se garde les céréales pour demain, on attaque les fruits. Vas-y, vas-y, on attaque les fruits. Bah ça, Loulou, bah ça, tu vas pas connaître grand-chose. Non, mais ça va. Ah, par contre, c'est pas beaucoup de fruits. Hein. Ouais, je... Bah déjà, dans Magnifique, tu mets les pommes. Hein. Bah oui, Magnifique, c'est les pommes direct. Les pommes, t'en bouffes deux, t'en as plus envie. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Ça fait Magnifique, très bon, moyen, éclater sa mère, je préfère canner qu'en manger. Donc, ouais, ça, j'aime bien, j'aime bien la dernière phrase. C'est bien, ouais. Avocat. Éclater. Je préfère canner qu'en manger. Canner qu'en manger, ouais. Après, un avocat, c'est toujours utile. Quand t'es dans la merde. Le problème, avocat, c'est soit t'aimes, soit t'aimes pas. Mais les mecs qui viennent avec du guacamole. Les mecs, je t'ai préparé un guacamole là, je sais pas quoi, sa mère. Ils se prennent pour des mexicains. Mais ouais, gros, je l'ai bien éclaté. Avocat, en vrai, juste éclater sa mère. Oui. Bon, pomme, les gars, ça, magnifique. C'est un coup fin, c'est parfait. Banane, banane, j'hésite, sa mère. Très bon ou magnifique? Ouais, entre les deux. Entre très bon et magnifique. Banane, tu dirais quoi? Non, très bon pour le coup. Très bon ou magnifique? Très bon parce que si la banane, elle est juste un peu pourrie et tout, moi, ça me dégoûte déjà. Si gros, la banane, tu l'ouvres, frère, elle a des grains de beauté qui font la tête de Loulou, sa mère. Banane très bon. Mur. J'en mangerai pas comme ça, mais quand tu te promènes en forêt, dans volume comme ça, c'est toujours satisfaisant. Des murs, des bois. Ouais, voilà. Ouais, à condition que tu te trompes pas avec du poison. Ouais, mais après, si t'as trop de base, c'est ton problème. Par contre, mur dans les boissons, c'est insane. Dans les tartes, c'est insane. Dans plein de trucs, c'est insane. Mur, très bon. Très bon, mais sous la banane. Surtout les murs porteurs. Faut que tu niques ta mère, mon gars. Ouais, c'est chiant. Myrtille. Même pareil. Pareil que les murs, en vrai. Ouais, mais alors ça, tu peux pas le manger comme ça. T'as déjà mangé une myrtille comme ça? En vrai, je dirais moyen pour le coup, non? Le problème, c'est que là, faut la cuisiner. C'est vrai que j'ai rarement vu quelqu'un manger une petite partie comme ça par plaisir. Voilà. Aïe. Cerise. Alors, cerise. Mmh. Cerise, c'est bizarre parce que j'aime pas dans les gâteaux et tout. Mais genre, tu te balades, oh, un cerisier. Quand c'est bien mûr et tout, c'est un régal, les cerises en vrai. Ouais, mais t'as vite mal au ventre. Bah, c'est parce que toi, tu manges le noyau, frère. En vrai, moyen, je dirais pas. Je dirais peut-être pour le coup. Très moyen bon. Plus soupir. Hein. Non, très bon. Des cerises à l'arbre, ça se mange quoi tout seul, gros? Ouais, après, je sais que t'as pas d'arbre à Gonfreville, tout est radiqué, ça, mais moyen, mais devant la myrtille, alors. Oui, ouais, quand même. Ouais, là, je dirais, ouais. Alors, raisin, moi j'adore le raisin turc, je l'appelle comme ça, je sais pas pourquoi. Mais c'est le raisin sans pépin. Raisin blanc sans pépin, c'est un délire. Mais en vrai, raisin, c'est god tier. Hein. Ouais, jus de raisin, c'est god tier. Même le jus de raisin, ouais. Un bon jus de raisin, sa mère. Un petit jus de raisin, comme on l'appelle. Ouais, un jus de raisin. Non, en vrai, le raisin, c'est god tier, magnifique. Le raisin, c'est la vie, un peu. Ouais, oui. Je préfère canner qu'en manger, pamplemousse. Oui. Ouais, ça encore, tu mets le sucre, mais tu prends que le sucre. Attends, quoi? Non, mais toi, tu mets combien de kilos de sucre dessus pour pas j'en mourir? J'en mange qu'à la cantine. Le 50e, gros. Casse-toi de là, je préfère canner qu'en manger, wesh. Parce que éclater sa mère, tu vois, l'avocat, j'en mange dans des petits trucs à gauche, à droite. Mais j'en mange. Oh, bah écoute-moi bien. Pamplemousse, tu mets un bout de pamplemousse, je quitte la soirée. Hein. Pamplemousse, personne n'aime ça. Mangue. Ah, ça, c'est bon, ça. Alors, le jus est excellent, le jus avec la mangue et tout. Il est bon. Voilà, en fait, le problème, c'est que tout ce qui est fait à base de mangue, c'est magnifique. Mais la mangue tout seul, c'est un peu acide. Et personne va se dire, oh tiens, je me ferais bien une petite mangue. Enfin, la fin de très bon est au-dessus du moyen, quoi. Ouais, bah, la fin de très bon, quoi. Très bon alors. Ouais, mais au-dessus du moyen, quoi. Non, mangue c'est quand même un peu insane, faut pas. Orange, c'est le fruit que personne ne mange, pourquoi? Parce que t'en fous partout. Oui, c'est vrai. Et ça coule après. Et parce que tu sais pas éplucher une orange, tu vois. Mais c'est god tier. L'orange ça va reste avec nous, tu. L'orange ça va partout. Gros, ton oasis, il est fait à base d'orange, hein, frère, hein. Un bon jus d'orange frais. Orange c'est god tier, mais c'est surtout le jus en fait. C'est pas le fruit en lui-même, genre. Bah, et ouais, mais le fruit, il est composé à 90% de jus. Non, c'est vrai que maintenant que tu le dis, la faute. Non, orange, en vrai, orange. Orange, c'est magnifique. C'est quoi? Orange, c'est magnifique. Ouais. Orange, il y en a partout. Magnifique aussi, oui. Non, ouais. Quand il pense, il y en a partout. Il y en a partout. Pêche, c'est bon, mais pareil, bon. T'as la flemme d'en manger, en fait. Ouais, après, une bonne pêche plate. Pêche, en vrai, je mettrais ça ici, devant mur. Ouais. Ah, en dessous mangue. Ouais. Après, c'est pareil, il y a beaucoup de choses qui sont à la pêche dans la vie de tous les jours, genre. Pêche, très bon, juste en dessous la banane. Ouais. Mais au-dessus, la mûre et la mangue. On est d'accord? En vrai. Oui. Ananas, le seul problème, c'est que c'est un fruit qu'il faut bien couper. Tu peux pas ouvrir ton frigo. Ferme ta gueule. Tu peux pas ouvrir ton frigo, sortir un ananas et croquer dedans. C'est pas... Alors non, que c'est pomme, sûr. Tout le reste, tu peux, tu vois, quasi. Bah, ça dépend. En vrai, moyen, par contre, est-ce que c'est devant la myrtille ou pas? Oui, devant. Ouais, devant la cerise. Non, abuse pas. Gros. Après, l'ananas, c'est quand même un délice. Oui, c'est bon, c'est bon. Bon, ananas moyen. Ça, c'est quoi ça? C'est du. Grenade. Grenade, non? C'est de la grenade. Grenade, en tout cas, ce qui est sûr, c'est explosif. Alors, putain, le problème, c'est que la grenade, c'est bon mélangé. Bah, ça laisse personne indifférent. D'accord. Ça, c'est sûr. Non, mais en cocktail. Oh, putain, mais c'est...
La grenade, on peut mettre ça où? Dans un lance-grenade. Dans éclater sa mère. Ouais, vas-y, je préfère canner qu'on mange. Non, abusez non, pas. Non, là, vous forcez, wesh. Mais gros, il y en a dans quasi tous les jus que vous bouffez, multivitaminés. Vas-y, éclater sa mère. La éclater... framboise, très non, bon. Non, éclater sa mère, vous êtes violent. Mais non. Ouais, j'avoue que c'est violent. Moyen, après, moyen. Tous les fruits, moi, je trouve. Ah putain, là, on attaque du masterclass. Hein. Framboise. Je dirais très bon, framboise. Ouais. Très bon, mais devant la banane. Devant banane, ouais, je suis d'accord. Oula, fraise. Non. Magnifique, magnifique et oui, fraise, même... fraise, c'est un peu comme orange. C'est magnifique et même plus que magnifique. La fraise, je pense, c'est au-dessus de la pomme. C'est... Non, 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 la pomme reste au-dessus. Franchement, je dirais juste avant la pomme. Je préfère bouffer une fraise qu'une pomme. Hein, mais quitte à choisir, je préfère bouffer un cul. La fraise, tu la ramènes à ta meuf, tu la baises. Une pomme, tu ramènes une pomme à ta meuf, elle s'en bat les couilles. Bah, franchement, si tu la découpes bien au quartier, non. Il a raison, la ville, ma mère, il a raison. Si elle est grave, tu retires le milieu, tu. Tiens, tiens, tu les pas, gros, c'est parfait. Eh, hey, j'avoue, hey, tu ramènes à ta meuf une pomme en quartier parfait et tout, et dézingue. Avec moi, je te ramènerai une pomme en quartier, mon gars, tu m'en diras des nouvelles. Mais oui. J'attends que ça, gros. Il est con. Philippe, t'es où, là? J'arrive maintenant. Bon, bah, fraise, juste en dessous de la pomme, par contre. Là, les gars... Pastèque magnifique, mais elle est devant le raisin quand même, la pastèque. Moi, à titre personnel, j'aurais mis en magnifique. Mais tu ne peux pas préparer de boisson à la pastèque et tout, il n'y en a quasi pas des cocktails pastèque ou autre. Donc je mettrais ça juste sous la framboise, mais au-dessus la banane. Ça serait que moi, je mettrais en magnifique. Mais là, je le mets en très bon parce que je sais que ça divise bien les gens, la pastèque. Par contre, le melon moyen. Le melon, il y a deux écoles, c'est comme la pastèque. Soit t'aimes, soit t'aimes pas, soit tu manges chez moi. Mais par contre, genre pastèque mieux que melon, clairement. Ok, bon, on est bon là en vrai. Là, il est bien le classement. Ouais. Non, en vrai, y'a pas trop de débat sur les fruits. Hein. Non, bah la pomme au quartier, ça reste le meilleur. Hein. Et ben on est pas mal, on se met un petit reportage ou pas? On se met un petit reportage, les gars? Bah, comme vous voulez. Ok, j'ai reportage déjà, let's go. Là, je t'ai envoyé.